Bonjour, je suis Catherine Fructus et je travaille depuis plus de 20 ans à la mémoire du meilleur de nos grands-mères en matière de beauté, de santé et de maison. Je récolte donc les meilleures recettes, remèdes, trucs et astuces. Aujourd'hui, on va trouver un remède très ancien pour lutter contre les points noirs. On a besoin soit d'une pomme de terre, soit d'un citron, au choix. Si on choisit l'option pomme de terre, on prend si possible une pomme de terre non traitée que l'on coupe en rondelles. Et on va prendre une rondelle un petit peu épaisse et on va l'appliquer en massage très délicat aux endroits évidemment où on a des points noirs. Donc on insiste, on tourne un petit moment et on va renouveler ça 2 ou 3 fois par jour. Très vite, les points noirs vont disparaître. Si on préfère, on prend un citron, non traité si possible, on le coupe en deux. On prend un coton-tige, on trempe bien ce coton-tige dans le citron et on applique le coton-tige sur le point noir. On le garde un petit instant, on recommence, on fait ça 2 ou 3 fois et cette méthode, on la pratique à peu près 3 ou 4 fois par jour pendant une semaine. Normalement, les points noirs devraient disparaître aussi vite qu'avec la pomme de terre crue. Aujourd'hui, on a appris une astuce particulièrement utile. Si vous le voulez, lors d'une prochaine vidéo, nous apprendrons à faire un vrai soin pour la poitrine et le buste.